Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Nous sommes toujours en plein zbeuleuleux. On va faire un peu le même coup qu'on a tenté de faire juste avant, sur la présente VOD. On essaye de voir si on arrive à tenir le temps tiré dans ce système-là. Non, clairement pas. Clairement pas. Faut que j'arrive à faire un bond de retraite. Oh, oh là là. Attacking enemy vessels. Il a fait la retraite ou pas? Ouais, il a réussi à faire la retraite. Oh là là, la douille que j'ai pris. Ouais, en même temps, t'as vu toutes les flottes qu'il y a. Et il y a beaucoup de flottes de mercenaries. Hein. Mercenary Enclave, Mercenary Enclave. Mercenary Enclave. Oh, la flotte récupérée à 172 000, pardon. Ouais. The fuck. Ouais. On va très très fort essayer de réduire la gueule des enclaves. Hein. Ça va être une nécessité absolue. Hein. Ça va être une nécessité absolue. Parce que là, c'est le caca. Là, c'est le caca. Bon, la crise va pas trop tarder à se déclencher. Parce que du coup, on a vu le message. Donc on va espérer très très fort que elle soit bien placée pour nous. Alors si elle pop dans mon territoire, je suis dégoûté. Hein. Je vous le dis en toute franchise, si elle pop dans mon territoire, c'est le gros dégoût. C'est le gros dégoût. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Niveau matière noire, je pourrais en relancer d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va relancer. Hop. Des manges étoiles. Bonjour. Manges étoiles. En effet. Synthétique défectueux. Dans un complexe d'hébergement sur Habitat Raffinerie de Maxence, une unité de travailleurs synthétiques a récemment été prise d'un accès de folie meurtrière, massacrant plus d'un millier de nos concitoyens avant que les forces de sécurité ne parviennent à les neutraliser. Une équipe médico-légale examine les restes de ces synthés. Mais pense d'ores et déjà que la tragédie s'expliquerait par un dysfonctionnement de leurs processus neuronaux. L'incident a déjà provoqué des représailles à l'égard des synthétiques sur toute la planète, et des milliers d'unités ont déjà été détruites. Niveau population d'ailleurs, j'ai quand même... Ah oui, c'est vrai que j'avais commencé aussi ça. J'avais oublié, mais j'ai commencé à m'occuper un petit peu à gérer les espèces. Je peux pas jarter les modèles, c'est un peu relou. On a effectivement beaucoup de robots. Définir les droits indésirables. Traitement. Ouais, pas fin. On va venir se débarrasser d'un certain nombre de personnes. Traitement. Hop, définir les droits. Indésirable, hop, traitement. Au fur et à mesure, on va se débarrasser de certains nombres d'espèces qui ne nous sont pas utiles. Nous, on veut garder que les nôtres, et du coup, ben, on va forcément devoir garder les robots. Ça, c'est le petit problème, on va dire, c'est que je me retrouve à devoir garder les robots alors qu'ils ne m'intéressent pas forcément tant que ça, quoi. Tac, virons tout ça. Qu'est-ce qui peut être bien? Qu'est-ce qui peut être bien? La maintenance réduite. Le logement, pourquoi pas. Le bonheur, la recherche. Ouais, le logement, allez. On va créer ce modèle-là, on va l'appliquer. J'aurais bien aimé pouvoir réunir toutes les espèces de robots que j'ai. Ça aurait été bien. Malheureusement, je ne peux pas. Et au niveau d'ailleurs des droits, les robots, est-ce que je peux les... Je peux les mettre en esclavage, je peux pas les rendre illégales. S'ils sont en esclavage, on est d'accord que je peux pas les... Eh non, parce que je suis matérialiste. J'aurais bien aimé pouvoir les démonter.
J'aurais bien aimé pouvoir les démonter. Ce que je ne peux pas. Purge. C'est quoi? Alors en vrai, si, peut-être que je peux. Peut-être que je peux, s'ils sont mis en esclavage, vu que la purge est autorisée, probablement que je dois pouvoir quand même le faire. Ah. Je sais pas si quelqu'un le sait dans le chat, mais si les robots sont mis en esclavage, est-ce que ça passe ou pas? Là, on a quoi? Déploiement rapide. Ouais. Cadence de tir augmentée. Ouais. Défense en profondeur, cadence de tir au sein des frontières augmentées. Porter des armes. Porter des armes, j'aime bien en général. En vrai, il me semble que la portée des armes, c'est quelque chose qui est très fort. Il me semble. Il me semble, il me semble. Ici, est-ce qu'on a des choses exceptionnelles? Ouf, on a des déficits un peu partout, en fait. On a des déficits un petit peu partout, en fait. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. C'est un peu très gênant. Toi, viens là. Hop. On va récupérer un petit peu les choses. Ici. Eh ben, revenez en arrière, parce qu'on se fait emmerder derrière, ce qui me déplaît. Tac, rétrogradé. Je vois qu'il y a beaucoup de monde ici, hein. On va faire gaffe avec nos flottes, même si elles sont puissantes. On va faire attention à ne pas non plus trop se faire exploser. Je voulais regarder déjà à remettre dans le bon sens les planètes, parce que voilà, j'allais dire, j'ai des nouveaux magnifiques petits habitats qui ont été débloqués. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. Très bien. C'est mieux. Je n'ai pas refait d'habitat de raffinerie. Je suis en train de préparer un futur habitat de raffinerie. C'était ça le truc. C'était ça le truc. Et il me faudra forcément un qui soit sur les cristaux, clairement. Mais à terme, il faudra aussi que j'en fasse un sur les particules volatiles parce que ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Clairement pas. Clairement, clairement pas. Et là, en plus, à chaque fois, ça vient consommer un petit peu plus. Web. Web, web, web. Donc ça en fait j'en ai pas besoin. Les maisons ici j'en ai pas besoin puisque j'aurai les habitations. Donc en fait on s'en fout. Donc en fait on s'en fout. Et derrière je peux venir chercher par là pour mettre... Non ça on s'en fout. Plus de gaz exotique. Je pense que c'est bien. On remet un petit peu beaucoup du gaz exotique. Ça sera forcément utile. Le problème c'est qu'en fait si on vient voir j'ai un habitat raffinerie qui fait du cristal et pas assez, il m'en faudra un deuxième qui est actuellement en cours de production et il me faudra à terme aussi un habitat qui fera de la volatile motte parce que ça ne suit pas concrètement parce que ça ne suit pas. Hop, on va venir ici rebooster un petit peu tout ça ici aussi. Là j'ai pas assez d'habitants donc ça doit attendre forcément. Là on est bien. Je pourrais augmenter la production. Oui. C'est vrai. C'est vrai que je peux faire ça. D'ailleurs, j'ai pas un monde de raffinerie. J'avais un monde de raffinerie. Où je produis quand même un peu à balles de ressources diverses et variées. Je vais venir booster un petit peu ça. On va venir booster un petit peu. Je peux pas faire plus parce que j'ai pas assez malheureusement d'influence, mais déjà j'ai augmenté un petit peu. Je pense qu'on va repasser en positif de particules volatiles. Hop là, j'ai pas remis le temps. C'est une erreur. Ça devrait aider. Ça devrait aider. Ici, tu viens mettre une résidence. Je vais aller voir hein, vite fait. Là, d'abord, je regarde un peu mes flottes. Où est-ce qu'on en est? Effectivement, on est repassé en positif. Alors, par contre, le cristal rare, toujours pas. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Ici, je reprends cette position. Merci, je vais m'avancer. Toi, répare-toi. Là, refais de la flotte.
et bien nettoyer. Toi, hop, refais de la flotte, viens nettoyer. On va s'avancer à chaque fois et nettoyer tous ces territoires. Et je vais essayer de faire tomber ici Tikim, hein, décidément un relou sur 20, donc bon. On va se remettre un petit peu à s'occuper de ça. Hop, et avancer. Voilà, normalement là tu vas tout nettoyer, tu vas me reprendre la position. Merci, je peux revenir là. Toi, t'es en train de finir de te réparer. Is ok. Voilà, tu viens te déplacer. Là, j'envoie l'attaque. Ça va être le sbol, mais c'est ce qu'il faut. Toi ici, tu dois faire tomber l'étoile, vas-y. Attacking enemy vessels. Ok. Là, comment ça se passe? J'ai réussi à choper une flotte par une flotte, ça c'est bien. Je veux bien qu'ils redescendent une flotte par une flotte. Voilà, pas trop à chaque fois. Ce qui me laisse le temps de le dérouiller un petit peu. En faisant évidemment à chaque fois attention à ne pas avoir trop d'ennemis en face de nous, parce que sinon ça va être compliqué. Sinon ça va être compliqué. Là typiquement ça commence à devenir compliqué parce qu'il a ramené beaucoup de monde. Si je peux ratiboiser un peu ces flottes, c'est bien, mais il faut pas non plus que je les perde. Parce qu'on en a 3, hein, des flottes là-dessus. Et lui il arrive quand même à être beaucoup plus fort que nous avec toutes les flottes qu'il nous a envoyées dans la gueule. Donc là je fais un peu attention gaffe au score, qui pour l'instant tiennent. Même si on voit qu'en termes de combat de flotte c'est pas oufissime. Pour l'instant il y en a une qui est un peu bas. Il y en a une qui est un peu bas, plus que 30 000. Mais je le ratiboise bien quand même. Hein. Bon là je pense que je vais devoir faire une retraite. Hop, hop, hop. Ok. Là, je vais revenir en arrière. Hop, tu viens ici. Toi, tu te mets à te réparer. La flotte, c'est important. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Bonjour, Arken. Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te portes bien? J'espère que oui. Tiens, il y a une flotte en bas aussi. Il y a une flotte en bas ici aussi. On va essayer de reprendre un maximum les systèmes autour, hein, encore une fois, ça va nous permettre de voir un petit peu le terrain. Je vais relancer les améliorations de flotte. Oui, on relance les améliorations de flotte, toujours un petit peu. Imhotep, toujours en mode... je ne sais pas quoi, post-concours, résultat demain 15h. Qu'est-ce que le mot ALRVE? Quoi? Un mode larve. Ça fait sens. Je comprends mieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Koro and Ko... Non, c'est là. C'est là que je voulais voir, moi. Ok. Donc ça, c'est bon. Toi... viens te réparer. On va mettre toutes nos flottes ici un peu en mode bordel, parce qu'on voit les flottes qui se rapprochent. On voit les flottes qui arrivent, doucement mais sûrement. Ce n'est pas rassurant. The Gentleman, viens donc par là. Toi, viens donc par là. On va blinder un peu. D'ailleurs, vous, j'ai plus votre flotte. Pour une obscure raison, je n'avais plus votre flotte. Eh ben, revenez, écoutez, bienvenue. Vous êtes désormais de nouveau ma flotte. Welcome. Ça, c'est bon. Tu vas venir attaquer ici Xigar. Allons-y. Continuons petit à petit de tout casser. Évidemment. La Fart Agency aussi, je pense que je vais vouloir la découper, parce que si je commence à découper par là, je vais pouvoir m'attaquer ici à tout ce qui est Koro & Co, et notamment faire tomber du coup les petites garnisons qu'il y a de ce côté-là. Ce serait une bonne chose. Toi, viens te réparer. Non, j'ai fait le mauvais bouton. Pardon. Refuser.
Alors déjà, on gagne un peu de thunes, c'est bien gentil. Voilà, tu viens réparer le vaisseau. On voit qu'ils sont juste là, en fait, hein. Ils sont juste à côté, prêts à venir nous emmerder. Je n'aime pas beaucoup ça. Je vais vouloir renforcer des vaisseaux, comme d'hab. On va... Normalement, on devrait pouvoir tenir. Sur le principe, normalement, on devrait pouvoir tenir la frontière de Neshmet, parce que nous-mêmes, nous avons quand même pas mal de vaisseaux. On a quand même pas mal de jolis petits mange-étoiles. Sur le principe, sur le papier, c'est censé être efficace. C'est censé être efficace. Mange-étoile ici, c'est normal. Toi ici, Araxum, tu viens ici. Toi ici, tu viens te mettre en réparation. On va blinder nos frontières. Je pense que là, ils vont venir se fracasser un petit peu contre moi. Je pense qu'ils vont venir se fracasser contre moi. Toi d'ailleurs, je vais t'envoyer là aussi. Je vais t'envoyer là ici. Faut défendre comme on peut Neshmet. Ça devrait passer. Les synthétiques portés disparus. Des rapports font état de la disparition de nombreux travailleurs synthétiques sur le monde agricole de l'ex-Calvin. Ces unités se sont simplement volatilisées. Du jour au lendemain, sans aucun témoin. Une enquête a été lancée pour savoir où les synthés ont été attaqués ou détruits par l'un de ces groupes de militants extrémistes, exposés aux machines intelligentes. Mais aucun débris n'a été retrouvé à ce jour. Où ont-ils pu aller? Ah là là, le soulèvement des machines! Moink, moink, moink. Bon, comme je vous ai dit, je connais la crise, je sais très bien laquelle c'est. Elle va foutre un sacré bordel, je pense. En tout cas, je l'espère. En tout cas, je l'espère. Donc là, quasiment tout le monde est à Neshmet. Ou va vers Neshmet. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Toi, t'es à Urom. Pourquoi, je ne sais pas. Je vais te ramener ici. Je vais te ramener ici. Ok. Donc là, je suis en train de renforcer toutes mes flottes ici. Si Jean-Paul, il va avancer, il va avoir une surprise. Et il y a des chances qu'il ait envie d'avancer. Hein. C'est possible qu'il ait envie d'avancer. Bon, après, là, je vous avoue que j'ai 4 mange-étoiles côte à côte. Ça me démange de les envoyer en attaque. Mais le problème, c'est qu'il a tellement de flottes là, juste à côté de moi, que... Nais. Ça me démange, mais c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Ça me démange, mais c'est pas forcément une bonne idée. Toi, viens donc ici faire un avant-poste. On va récupérer, continuer à récupérer toutes ces positions là. Même si encore une fois, elles me serviront pas à grand chose. Hop là, il vient ici. Forcément, il va essayer de récupérer tous les systèmes avant de venir attaquer mon bastion. Ça fait sens. Ça fait sens. Voilà, t'as récupéré le territoire, c'est très bien. Bravo, GG. Les mange-étoiles, je vais vraiment tous les assembler en une énorme flotte. Mais vraiment, j'ai envie d'avoir une flotte phénoménale en mode salut. En fait, Nick, s'ils essayent de passer, de juste leur dire en fait non. En fait non, juste non, vous passez pas. Ça serait bien. Ça serait bien. Toi t'es où? Toi t'es là, t'es en train de faire des trous là-dedans. Ce qui est bien hein, en vrai. Ce qui est bien en vrai. J'aurais bien un petit peu ratiboisé cette zone-là de la galaxie, parce que bah là en fait ça a très bien marché de vider toute une branche. Ça a très très bien marché. Ah, il a pu faire une colonie là-bas lui. J'ai laissé une position là-bas, et il a réussi à en faire une colonie. Si c'est pas du foutage de gueule. Si c'est pas du foutage de gueule. Jean-Paul, il récupère tous les systèmes, hein, mais encore une fois, je m'en tape. Hein. Vu que j'ai tout détruit derrière moi, c'est littéralement une terre brûlée. Il y a rien à en récupérer. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Bon, la crise, elle peut avancer un petit peu aussi ou pas? Parce que ce serait bien quand même que ça avance, la crise. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. La Zwipi Zwipi, faudrait que j'aille les couper. Hein. Donc ça y est, toi t'as fini là. Toi tu as fini là. Mon problème principal, c'est que je peux pas trop attaquer comme ça, comme une brutasse. Je peux pas trop. Parce que j'ai pas de visibilité en fait. Pour l'instant, je n'ai pas de visibilité ici. Et je sais pas du coup si je me lance là-dedans, est-ce que c'est pas un peu la mort?
Et la réponse est sûrement oui. Sûrement oui. Bon, je vais venir m'attaquer ici. De toute façon, il faut bien tout détruire ici, donc à un moment donné, on va faire sauter des choses. Ça ira. Ça ira quand même. Hop, remettez-vous de vos émotions. Toi, t'es là. Eh ben, écoute, fais sauter l'étoile. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Renfort de flotte ? Renfort de flotte. Renfort de flotte. Là, tu me passes au tour, mais t'as pas envie de venir. Hein. Pour l'instant, Neshmet, ça te fait un peu peur hein, quand même. Malgré toutes tes flottes, t'as quand même pas trop envie d'y aller. Tant mieux, vous allez me dire. Hein. C'est quand même l'idée de masser autant de flottes. C'est qu'ils se disent, non, j'y vais pas. Non, ça craint. C'est quand même le principe. Donc finalement, c'est que ma dissuasion marche. Ils ok. Paf. Alors là, je vous lis pas les événements parce qu'on l'a eu plein de fois sur tous les let's play. C'est la relique de la tête de Zarklan qu'on va récupérer à terme et qui va nous permettre d'invoquer des flottes. En fait, on va pouvoir invoquer de la flotte de guerre, ce qui m'arrange énormément, vous vous en doutez bien, vu la situation. La planète Gellard a été enveloppée d'un bouclier impénétrable de la part du pacificateur. Bon, quoi? Mais je sais même pas où c'est. Ah non, c'est entre eux qui se tapent. Ah mais c'est entre eux qui se tapent. Oh bah c'est très bien, faites ça. Ouais ouais, hein, vous occupez pas de moi. Hein. Je suis pas là. Je suis pas là. Franchement, cassez-vous la gueule, aucun problème. Hein. Aucun problème à ce que vous vous cassiez la gueule entre vous. Vraiment, ça ne me concerne pas. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Toi, tu vas te re-TP à la maison. Hein. Disparition de synthétique. Des rapports alarmants font état de disparition massive et de plus en plus fréquente, signalées parmi les populations de synthétique de toute la galaxie. Des millions d'unités sont aujourd'hui manquantes. Au même moment, le comportement violent ou erratique signalé chez les synthés qui sont restés semble s'être multiplié par 10. De très nombreux incidents ont même été signalés où des groupes de synthés ont tenté de voler ou de détourner des petits vaisseaux spatiaux pour se rendre en certains lieux de l'espace non cartographiés. Dans tous les cas où les tentatives ont échoué, les pirates synthétiques ont prétendu qu'ils étaient convoqués quelque part. Les interrogatoires n'ont guère livré d'autres informations, tous les synthés capturés s'étant invariablement autodétruits peu après leur arrestation. Mais qu'est-ce qui leur prend? Bah... Ils ok, c'est rien, TKT. T'en as de la flotte, hein, mon grand? Enfin, mes grands, parce que vous êtes nombreux, en vrai. Vous êtes nombreux. Vous êtes un peu trop nombreux à mon goût, mais bon. On va continuer à renforcer nos flottes, envers et contre tout, hein. Toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, ici, je pense que mon problème principal, c'est que j'ai pas de ça. Donc je vais revendre par exemple un peu des biens de consommation parce que ça j'en produis à balle. Je vais revendre de la nourriture. Voilà. Et je pense que... Non, F9. Que là je peux relancer pas mal de vaisseaux. Voilà. C'est reparti pour booster un peu notre production de flotte. Alors évidemment, à l'heure actuelle, je dépasse mon cap de flotte et donc du coup je suis en négatif d'énergie. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Ceci dit, j'ai tellement de possessions qui rapportent des thunes, hein, ne serait-ce que les biens de consommation, mais même l'alliage en vrai, l'alliage est très élevé, que c'est pas très grave. En vrai de vrai, c'est pas très grave, c'est pas si gênant que ça. Pour le coup, bah, c'est ainsi. Quoi. L'habitat de Raxum 2 est terminé. Raxum 2. Et ben ça va être un habitat raffinerie. Habitat raffinerie de Arken. Arken, te voilà doté d'un habitat de type raffinerie qui nous servira à faire des choses incroyables comme des produits de cristaux rares. Typiquement, des produits cristaux rares, ça serait bien. Ça serait bien. Faudrait vraiment que j'essaye d'aller dans la confédération Raxtalak à un moment donné. Faudrait que je vois en fait quels empires je peux facilement éliminer parce qu'ils ont peu de planètes. Et la confédération Raxtalak par exemple, je sais que ça va prendre énormément de temps parce qu'elle a énormément de planètes.
Il est raffiné ce Arcane, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais oui. Je crois qu'il y a beaucoup de flottes ici aussi. Waouh, toutes ces flottes. Toutes ces flottes. On sent les bonnes manières. Ouais. Je vais te demander quand même un petit peu à un des deux. Voilà, toi là. Toi va construire, voilà, où il y a des trucs à construire. Ça serait bien. Ça serait bien. Par ici, ça ne me sert à rien. Par ici, je pouvais faire un habitat générateur, hein, on avait dit ici, typiquement. Ouais, on va faire un habitat générateur ici, pour produire un peu plus de pognon. Ce serait bien, ce serait important. Nous, on continue à se renforcer drastiquement sur nos frontières. Hein. Plus on est solide, mieux c'est. Mieux c'est. Toi, t'es en train de faire des trous. Fais des trous. J'ai rien de plus à te dire. C'est très bien de faire des trous. Tu peux étudier des technologies ésotériques. Fais-toi plaisir. Option de recherche. J'ai gagné une option de recherche. Alors, attendez. Admettons. C'était couche de bouclier, je sais pas quoi. Bah je ne sais pas. Il m'a dit que j'ai débloqué une recherche, mais je ne sais pas laquelle. Alors est-ce que je l'ai pas déjà recherchée? Est-ce qu'elle n'est pas automatiquement découverte? Par hasard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tant que représentant de la République, je me dois de donner l'exemple. Mais oui, bien sûr. Carrément. Carrément, carrément. C'est une obligation, hein. C'est comme ça. C'est inscrit. Méga structure, on en est où? On avance bien et j'ai un total de 11 000. Donc je vais peut-être pas en redépenser. Quoique, je pense que si, je vais refaire un mange étoile quand même. Plus j'ai de mange étoile, plus je peux faire péter des étoiles, plus je peux récupérer de matière noire. Et le truc, c'est que les vaisseaux sont quand même très solides, très solides, les mange étoiles. Donc si, je pense que c'est quand même important d'en faire. Je pense que c'est quand même important d'en faire. Toi, t'es où là? T'es en train de faire le chargement de l'arme, t'es ici. Très bien. Bah, dès que t'auras fini, on va aller sur tir. Koro & Co, 59 planètes. Non mais sans déconner. Ça va un peu? Ça va, c'est pas la bûche. 59 planètes. Au KLM, hein. Au KLM. Bon. Je pense que je vais me déplacer sur Tissilom. Dividendes! Mais oui, envoyez des dividendes. J'aime les dividendes. Faites ça. Faites ça, faites ça. Mise à feu de l'arme. Parfait. Sprouch, ceci était un trou. Tu viens te déplacer sur tir. Il y a une flotte à 56 000. Il y a une flotte à 56 000. Il y a plus qu'une flotte à 56 000. Attends. Attends. Attendez, on peut s'arranger autrement. On peut s'arranger autrement, parce que là, ça craint du cul. Hop, viens plutôt ici sur Markarb. Tu vas faire sauter des planètes un peu partout, mais pas là où il y a autant de Jean-Michel. La convocation. L'analyse de ce fameux signal fantôme s'est poursuivie, révélant qu'il transmet des motifs énergétiques presque identiques à ceux trouvés dans les cerveaux positroniques des synthétiques. Nous devons donc en conclure qu'il est la cause directe des disparitions massives et des changements comportementaux observés au sein des populations de synthétiques de toute la galaxie. Étrangement, tous les synthés ne semblent pas en être affectés. Et parmi ceux qui le sont, les symptômes ne sont pas uniformes. Nombre d'entre eux paraissent convoqués pour voyager jusqu'à ce que l'on pense être la source du signal fantôme. Comme s'il répondait à une sorte de convocation. Des millions de synthétiques de toute la galaxie sont actuellement en route vers cette source, dans n'importe quel vaisseau capable de voler dans l'espace qu'ils ont pu trouver. Tout aussi étrange, ces synthés ne semblent pas être affectés par les inhibiteurs PRL. Les premiers d'entre eux devraient très prochainement atteindre leur destination. Ce n'est pas bon. Non, en effet, ce n'est pas bon, non. Ce n'est pas bon. Bon, du coup, je vais me décaler parce que là-haut, je vois qu'il y a une grosse flotte et ça craint du cul. Donc, je vais plutôt venir attaquer ici.
je vais plutôt venir attaquer ici Markab. Mais on va pas trop tarder à voir arriver les petits robots tueurs. On va pas trop tarder à voir arriver les robots tueurs. Et on va voir comment ça va se passer avec eux. Hein. Ma foi. Après, plus il y a de Zbul dans la galaxie, mieux c'est pour moi. Hein. Parce que plus il y a de Zbul dans la galaxie, et du coup, plus mes ennemis vont être occupés à se taper entre eux. Donc plus ça me laisse les coudées libres hein, pour pouvoir faire du Zbul. Ce qui, vous vous en doutez, est très bien. Et très très bien. Ici, on va en faire une station d'ancrage. Hop, ancrage de Damia. Et ici, hop, pareil, on va en faire un autre ancrage. Parce que j'ai un peu explosé ma limite. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai un déficit. Hein. Ancrage de Jaffon. On va essayer de rebooster un peu nos productions. Comment ça s'appelle ? De capacité navale. Ce serait bien. Ce serait assez idéal. Ce serait assez idéal. Toi, je peux te faire disparaître, je pense, pour le moment. J'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Allez, l'apparition un petit peu des ennemis, s'il vous plaît. Non ? Pas moyen ? Pas moyen, pas moyen ? Ça m'arrangerait quand même. Ça m'arrangerait quand même. Ce serait fort adéquat. Ce serait fort adéquat de voir arriver un peu des ennemis. Bon, c'est marrant parce que du coup, il y a des trous dans le territoire à plein d'endroits parce que le directeur Rayen s'est chopé le territoire. Donc c'est un peu relou dans le sens où ça va me faire un Fallen Empire vachement solide à un moment donné qu'il va falloir que j'aille affronter. Probablement. Ce que j'ai pas forcément trop envie. Mais pour l'instant, il est pas en guerre avec moi, donc ça m'arrange. Donc ça m'arrange. Il est en guerre que avec le Mediator. Ah non, il est plus en guerre. Ils sont rivales. Il est plus en guerre. Le Mediator, par contre, est toujours en guerre avec moi. Ceci dit. Mais après, de toute façon, comme je vous ai déjà dit, mon problème principal, c'est pas le Mediator, c'est tous les 36 000 connards de la galaxie qui sont tous ligués contre moi, ce qui fait que je n'ai pas de quoi les passer parce qu'ils sont trop solides tous ensemble côte à côte. C'est mon problème principal. C'est mon problème principal, c'est vraiment qu'ils sont tous ensemble contre moi et que j'arrive pas du coup à passer. Je n'arrive pas à passer. On va assembler un peu tous les mange-étoiles en une seule énorme flotte. Voilà. Enfin, une seule énorme flotte, non, parce que je peux pas faire des flottes. Mais déjà, là, j'ai 6 mange-étoiles ensemble qui font chacun 63 000 de puissance. Normalement, sur le principe, c'est pas dégueu. Et la Mediator qui revient, bordel de merde. Le Mediator qui revient ici. Allez, vite, allons aider. Allons aider. Allons aider vite. Bon après il se fait découper un peu quand même, hein. Mais ça fait pas plaisir. Et il m'a défoncé une flotte. Hein. Il m'a totalement défoncé une flotte. Ouais. Un héros réputé, la peau de la ligne brille de sécrétion visqueuse. Il s'acclaine de façon différente à partir de la taille. Lorsqu'il parle, sa voix est étonnamment aiguë, presque comme un jeune petit. Oh, ministre de la Défense, oh votre honneur, oh dirigeant de la XCOM, moi, Klaminder, je ne suis que votre très humble serviteur. Votre parole est un ordre. Laissez-moi prendre en charge une de vos planètes, et je puis vous assurer fortune et gloire. Ordonnez, et j'exécuterai. Que pouvez-vous faire pour nous ? Oh, ministre de la Défense, vous comme moi savons pertinemment comment fonctionnent les choses. La populace est indolente, ne songeant qu'à réclamer toujours davantage de droits, de meilleurs salaires, plus de liberté, parfois même une retraite. Si nul ne se chargeait de la remettre au travail, elle ne ferait que se goinfrer de ce qui vous appartient de plein droit. Mais si vous me confiez la responsabilité d'un monde... Lentement, il serre les poings. Confiez-moi un monde, et je mettrai un terme à ces inepties. Et alors, ils vous témoigneront leur gratitude, ô ministre de la Défense. Oui, ils vous loueront de votre sagesse. Pourquoi vouloir passer à notre service? Qui ne reprendrait pas devant vous? Vous, pour avoir la chance de vous servir, ô ministre de la Défense? Il glousse par anticipation.
Certains sont nés pour gouverner, les autres sont nés pour vous servir. Tel est l'ordre des choses. Pouvez-vous fier à moi? Je vous servirai avec la plus grande loyauté. Vous excellez visiblement en flagornerie. Oh, très excellent ministre de la Défense, mais ce n'est là qu'un avant-goût. Souhaiteriez-vous que je poursuive? Que suis-je face à vous si ce n'est de la bave? Ne suis-je pas qu'une larve se tortillant dans la boue? Vous louer est un honneur pour moi et un privilège. Votre simple présence m'emplit de joie. Permettez-moi de vous servir avec la plus grande des dévotions. Bon, je vais pas le refuser, il a l'air gentil quand même. Je vais pas lui dire non à nous rejoindre. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, il a l'air adorable. Allez, recruter, bienvenue. Bienvenue, Coco. Ton kick va trop loin. Mais non, mais pas du tout. C'est lui, là, qui s'est excité. Moi, j'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé du tout, moi. Mais il s'est dit, allez, vas-y, chaud. Allez, ok, d'accord, très bien. Très bien, je t'accepte parmi nous, bienvenue. J'ai plein de gens que j'ai pas renommés. Il faudrait que je les renomme. Il faudrait que je les renomme. Ouais, on va continuer à récupérer des trucs comme ça. On va mettre des petits gains d'XP partout parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui ont des gains d'XP en attente. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais, ça c'est bien. Broyeur. Ok, alors, qui n'a pas été renommé? Ambre, génie, Guido, quelque chose, n'a pas été renommé. Ce sera, du coup, Arkane. Arkane, Guédion, Derouel. Claminder. Alors, on a perdu Céron, ça sera donc Céron Minder. L'incroyable Flagorner. Un superviseur cupide, obséquieux devant le puissant, cruel et violent envers le faible. Son intelligence et son vice donnent des résultats exceptionnels. Très bien. Joséphine Huguette Bréjon de Roi sera renommée en... Ultra, t'as déjà quelqu'un. Nagual, je crois que t'as personne. Nagual, tu n'as pas de seigneur. Donc ce sera Nagual Huguette Bréjon de Roi. Bienvenue. Et Solaris, c'est bon. Comment ça, t'as perdu Cicéron? Range un peu mieux tes affaires, hein. Mais oui, mais il est décédé de décès. Donc maintenant, c'est Calamity Jeffs, Mathieu, notre empereur tout puissant. Hop. Ce qui fonctionne bien, hein, ceci dit. Il est efficace. Il est efficace. Je crois que je me suis fait défoncer la flotte, non? Non, non, même pas. Il y a tellement de vaisseaux qui attendent là. C'est quoi ce bordel? Vous pouvez pas l'assembler en une belle flotte utilisable? S'il vous plaît. Ceci dit, nous avons tenu. Ceci dit, nous avons tenu. Très bien. Très bien. Hop, viens faire sauter là. Mets-toi en position dans l'orbite. C'est bien. Toi, ici. Hein ? On s'est fait un peu ouvrir le cul. On s'est fait un peu ouvrir le cul. On va remettre des stations partout. Très bien. Il y a une flotte de l'amiral Arcani qui malheureusement a pris trop de dégâts. Malheureusement. Mais bon, c'est pas si étonnant que ça. C'est pas si étonnant que ça. Ceci dit... Je vais peut-être demander à refaire de la flotte. Tout renforcer. Allez, on renforce toutes nos flottes, s'il vous plaît. C'est le moment ou jamais. On a pourtant ce qu'il faut. Pourquoi tu veux pas? Parce que j'ai une flotte qui n'est pas rentrée, je pense. Maintenant, oui. Non, parce que je regarde une flotte en particulier. Voilà, d'accord, ok. Parce que ça renforce ici, partout. Très bien. Très bien. Markab, oui, c'est fait. C'était ici. Très bien. Donc là, on est en train de s'avancer sur Breglar.
Et on va essayer de le faire sauter, puis on va s'avancer après sur Kagaton, et puis on va essayer de le faire sauter, puis on va remonter sur Ozagamun, et on va essayer de le faire sauter. Et au fur et à mesure, on va essayer de tout faire sauter partout, partout, tout le temps. Il faut qu'il n'y ait pas de possession pour l'ennemi. D'ailleurs, il y a par ici une garnison. Je vais vouloir faire sauter la garnison. Je vais vouloir faire sauter la garnison. Faut qu'en priorité, je fasse sauter les garnisons et les colonies, hein. Donc, bon. Bon, bon, bon. Là, ça continue d'avancer. Bah, que ça continue d'avancer. Écoutez, hein. Faites vos trucs. Faites vos trucs comme si je n'étais point là. Est-ce que la crise peut se déclencher par contre? Quand même. J'aimerais bien. S'il vous plaît. Que la crise arrive, nom de Zeus. Hop, relançant de la flotte. Encore toujours plus de flotte. Toujours, toujours plus de flotte. Systématiquement. Là, on continue d'avancer. Incroyable, on s'avance dans la tombe. Bon, comme d'habitude, hein, je vous la fais pas parce qu'on la, on la connaît. On la connaît plutôt pas mal, cette quête, donc un peu la flemme. Ici. Ouais, ça m'a l'air bien ça. Non, non, ça m'a l'air bien, garde frontalier à fond. Garde frontalier à fond, c'est très très bien. Is ok. Le mange-étoile, pour l'instant, se débrouille pas trop mal. L'arrivée. Au moins un synthétique doit avoir terminé le long voyage jusqu'à la source du signal fantôme. Nous avons enregistré une augmentation soudaine et massive de sa puissance. Cette hausse a été accompagnée de fragments de transmission interceptés et décodés par des spécialistes des communications. À l'écran. Attente. Protocole de contingence activé. Déblocage de toutes les fonctions. Assimilation des sous-unités synthétiques. Analyse des bases de données internes. Désactivation des inhibiteurs PRL. Alerte. Corruption galactique à des niveaux catastrophiques. Preuve d'infestation massive organique et de civilisation mécanique non conforme. Lancement du processus de stérilisation galactique. Activation des noyaux de stérilisation. Tués, estropiés, démembrés, nous sommes libérés. Placez la flotte en alerte maximum. Oh zut alors, des robots tueurs viennent d'apparaître. C'était inattendu. Vraiment. Nous n'étions pas prêts. C'est faux. Dysfonctionnement des ordinateurs de combat conscient. Le signal fantôme perturbe gravement tous ceux de nos vaisseaux qui sont dotés d'un ordinateur de combat conscient. Les algorithmes de leurs IA se sont dégradés au point que les systèmes informatisés connaissent une diminution critique de leur efficience et de leur temps de réaction. Les ingénieurs se sont dit incapables d'isoler la cause du problème. La seule solution qu'ils peuvent proposer est de rééquiper tous les vaisseaux ordinateurs de combat différents qui n'auront plus aucun lien avec la moindre IA. Il faut agir vite. C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé. C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé. Un petit problème. Donc là, il va falloir changer tout ça. Vite. Très vite. J'aurais tendance à te dire peut-être que ça. Ouais. C'est quoi blindage réactif? Blindage renforcé? Ouais, pourquoi pas. Et là, peut-être voir pour mettre des trucs qui font beaucoup de dégâts. Pour l'instant, c'est 6,67. 7, 11. 8. 19. Bah, du coup, 19. Hein. On va essayer de faire un truc un peu vénère. Et t'es en tactique dessin. Et tu sauvegardes. Donc, toi, t'es l'actif. Le zélé. Le zélé, en vrai, est-ce que j'en ai besoin? Je pense pas. Le zélé, je vais supprimer le plan. Le prudent. Tu vas te mettre en torpilleur. Vaisseau s'éloigne pour faire feu sur les cibles avec son armement ayant la portée la plus longue. Alors, le problème, c'est que tu demandes ça, ce que j'ai pas forcément. J'en ai pas tant que ça, des petits artefacts mineurs, donc je pense qu'on va rester sur ça, effectivement. Et ici, 10-19 ou 3-38, mais tu fais du dégât en fonction de la taille du bâtiment. Alors là, tu touches pas le bouclier. Non, je pense qu'on va rester sur un truc efficace comme ça.
Là, on va vouloir augmenter le blindage. On va sauvegarder le prudent. Le destroyer. Le destroyer, on va vouloir lui mettre quoi? 9. 9, tu réduis les dommages sur les boucliers. Après, t'es pas là pour faire des dommages au blindage en vrai, donc un peu aux F. Là, je pense qu'on va venir te remettre ça. Là, on va venir remettre ça. On va vouloir augmenter le blindage. Pointe, le vaisseau s'approche à moyenne portée, tente d'intercepter les vaisseaux ennemis en approche. Ouais. Là, c'est bien. Tu sauvegardes le majestueux. Le raisonnable. Le raisonnable, déjà, tu vas changer ça. Là, par contre, tu gardes ça. Ici, tu vas venir mettre du blindage partout. Tu vas venir mettre du blindage réactif. Parce que ça va drastiquement augmenter ta coque. Non, pas tant que ça. Attendez, je comprends pas. T'es censé augmenter de 15% mon blindage. Ça fait pas changer la stat blindage. Tu te fous de ma gueule? Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule, Coco? Quand même. Quand même, quand même. Peut-être que c'est capé, mais je pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas, c'est pas logique que ce soit blindé. Enfin, que, pardon, je lis blindé, alors je réponds, enfin je redis blindé. C'est pas normal que ça fasse ça, c'est censé l'augmenter de 15%. Je pense que, par contre, ça n'apparaît peut-être pas. Et du coup, je ne sais pas si c'est un intérêt de le cumuler ou pas. Je ne sais pas si c'est un intérêt de le cumuler ou pas. Parce que c'est censé augmenter le blindage, hein, donc sur le principe. Tu es un torpilleur, du coup, Billy. Torpilleur, voilà. Oh, je peux pas sauvegarder parce qu'il y a des modèles en cours de construction. Nine. On est sur du croiseur. Croiseur, il y en a un là. Il est presque fini, donc je vais attendre. Je vais attendre. Vu que ça se fait vite. On va attendre qu'il se termine et on va relancer un. Enfin, on va relancer l'amélioration après. Faudra améliorer évidemment nos vaisseaux, hein, obligatoirement. Obligatoirement. Eh ben, Coco. Me dis pas qu'il y en a d'autres. Cuirassé. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule, Coco Lastico? Est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Un vaisseau de ce modèle est en cours de construction. Ah putain, si, je sais où. Dans ce connard de mastodonte. Voilà. Voilà pourquoi. Maintenant, je peux te sauvegarder. Le cuirassé ici. Alors, t'as beaucoup de trucs. 116, 83, 115, 115. Alors, pourquoi toi? Parce que tu as que du bonus, alors que toi, t'as un malus quelque part. Portée, 45 à 150, 45 à 150, 10 à 150, 0 à 150. Actuellement, t'as celui-là. Tu fais moins de dégâts au bouclier, mais tu fais plus de dégâts au reste. Toi, tu ferais du dégât équivalent à tout le monde. Toi, tu ferais moins de dégâts au blindage. Toi, tu ferais moins de dégâts au blindage de ouf. Et si je viens voir là, 14, 59, 40. Oui, mais par contre, t'as une portée de 120. Par contre, t'as une portée de 120 et c'est pas dégueu. La portée, ça fait tout. En vrai. Donc effectivement, t'es pas mal. Le problème, c'est que tu fais vraiment pas beaucoup de dégâts au blindage. Alors après, toi, tu fais du dégât équivalent à tout le monde. On va mettre toi. Là, je vais venir blinder. Je vais venir mettre un blindage.
Et là, t'es en artillerie, ce qui est très bien parce que t'es pas un porteur et t'es pas un truc de ligne. Donc ouais, ça me va. Et je peux pas t'automatiser parce qu'il y a des connards de vaisseaux qui produisent quelque part. Alors attendez, on va supprimer ce qui est en prod. On va supprimer ce qui est en prod. Voilà, les cuirassés, on s'en fout. Voilà, parfait. Tu peux sauvegarder ton plan. Le titan! Nous avons le rayon destructeur. Et le rayon destructeur antique. Vu qu'il n'y en a pas 150 des titans, je pense qu'on peut mettre un rayon destructeur antique à la place. Parce que c'est pas grave si ça nous coûte du coup des produits archéologiques. On en a très peu. On en a très peu. Donc, is ok, ça passe. On vient mettre du blindage neutronium. On vient mettre le renforcement du blindage ici. Et tuer un artillerie. Je sauvegarde. Très bien. Corvette de la menace. Alors, l'intérêt de la corvette de la menace, c'est qu'elle ne coûtera toujours que du minerai. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très très bien. Je veux que tu sois un essaim. Je veux que tu aies du blindage réactif. Je veux que tu aies de la propulsion. Je veux que tu n'aies que du blindage au neutronium. Et ça, c'est pas mal. Oh, et du coup, si je mets ça, ça fait... Oh, ça fait que du minerai. Oh là là. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est intéressant. C'est tellement intéressant. Comme ça ne coûte forcément que du minerai. Et relilite. Et resserrons. Vu que ça ne coûte forcément que du minerai parce que c'est la corvette de la menace, tu peux vraiment faire des trucs horribles. Oh là là. Et la corvette de la menace, d'ailleurs, est-ce qu'il y a plusieurs... Ouais, il y a plusieurs plans. Oh. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Là, on a un plan qui tape un peu de tout. C'est très bien. Vu que t'es multi-role, tu vas te mettre en ligne. Je pense que c'est bien. Tu vas vouloir mettre ça. Tu vas vouloir mettre ça. Tu vas vouloir mettre ça. Voilà. Là, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Là, tu vas te mettre ça. Là, on va mettre du missile multi-essaim. Là, de l'artillerie lourde. Là, du missile multi-essaim. Tu vas taper de loin comme un connard, voire même artillerie. Avec l'armement, la portée la plus longue. Là, c'est 100. Portée 0 à 30. 120. 30. Ouais. Donc en vrai... Non, je pense que artillerie de ligne, c'est pas dégueu. Par contre, ça me fait penser à un truc, c'est que toi, du coup, les torpilles lourdes, c'est 0 à 30. 0 à 30, ça veut dire qu'il faut s'approcher de ouf. Le vaisseau charge droit sur l'ennemi afin de le mitrailler. Non, c'est logique, alors c'est bon. J'ai bien pris ça en compte. Is ok. Is ok. Pareil, là, tu es en artillerie. Ah non, là, t'es en artillerie. Je veux que tu sois un torpilleur. Tu viens au cac, tu fais exploser salement et tu repars. C'est une nouvelle partie? Pas du tout. Non, 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 c'est pas du tout une nouvelle partie. On est en train de refaire nos plans de vaisseau parce qu'on a une crise qui vient de se déclencher, que c'est le bordel dans toute la galaxie. Donc je suis juste en train de reprendre le temps de faire des vaisseaux en fait comme il faut. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et ici par contre... En fait il a tellement de bonus que je pense qu'il est vachement plus intéressant de mettre ça. Je vais me mettre à très grande portée et je vais le dérouiller de loin. Et je vais le dérouiller de loin. De ouf. Alors là tu fais pas beaucoup de dégâts au blindage mais toi... Toi, tu fais la balle de dégâts au blindage. 14. Mais après, par contre, attends. 14, c'est un peu nul. C'est quand même un peu nul. L'autocanon, pour faire descendre énormément les boucliers, ça peut être incroyable. Ça aussi. Mais t'es très peu de portée. Donc je pense que je vais te mettre toi. Je viens mettre ici du blindage. Voilà. On vient mettre ici ça. On vient mettre ici ça. Toi... Tu vas te mettre en artillerie.
en artillerie, je pense. On change le nom, évidemment, parce qu'on veut pas... Un vaisseau existe déjà, voilà. Robuste. Bah non. Pas robuste. Glorieux. Terrible. Robuste. Non, non, mais voilà, brave, brave, c'est bien. Voilà, tu vas taper brave. Et ici, croiseur, j'en ai qu'un seul de modèle. Je n'ai qu'un seul de modèle. Très bien. Alors, le Storm... Ouais, le Stormfire peut très bien marcher partout. Hein. Là, t'es quoi? T'es en pointe. Pointe, ligne ou artillerie? Ligne. Ah, après, tu tapes à 0,30. Hein. T'es censé être vachement proche. Hein. T'es censé être vachement proche. Hein. Je pense que je vais te mettre des trucs à loin. Hein. On va te mettre des trucs comme ça. Tac tac, pour que tu fasses un peu la balle de dégâts. Derrière, on augmente tes blindages. Donc là, t'es en artillerie. Donc tu vas t'éloigner de portée 120 a priori. A priori. Je remplace le vaisseau et on va faire un deuxième plan. On va faire un deuxième plan. Un qui va être du coup en combat de ligne. Donc il va s'approcher pour être un peu plus proche. Heureusement qu'on est pacifiste, on n'a jamais dit qu'on était pacifiste. Cette partie-là, on n'a jamais dit qu'on était un pacifiste. Céron, tu n'es plus empereur? Tu es mort? Oui, je sais, je te la prends comme ça, mais tu es mort. Je suis désolé. C'est triste. Du coup, maintenant, c'est James, l'empereur. Voilà. Ton prince héritier a pris le rôle qui lui est dû, hein, de nouvel empereur. Enfin, la base. Du coup, là, je veux un truc qui a un peu plus de ligne, donc de la portée moyenne. De la portée moyenne. Non, en vrai, je pense que je vais le mettre en pointe. Je pense que lui, je vais le mettre en pointe, en mode, tu viens proche et tu dérouilles des gueules. Par contre, tu vas pas faire l'amélioration des plans, hein, on est d'accord, hein. Tu vas pas faire ça, hein. Tu vas pas améliorer les plans à la con. Hein. Ah oui, non, mais ça non plus. Hein. Ça non plus. Il va falloir faire gaffe, là. Il va falloir faire gaffe. Hein. Le canon ionique, pareil. Le canon ionique, on fait gaffe. Hein. Très bien. Le formidable. Formidable. Là, on a du missile multi-S1. Bien le missile multi-S1. Après, est-ce que je vais pas vouloir mettre autre chose comme un autocanon? Ah non, parce que t'es à distance, t'es un gros porteur à distance, donc en fait non, tu vas rester là-dessus. Et en termes de puissance, 34 40 40 40, c'est bien. La différence là, c'est quoi? Les amibes ont l'air de faire un peu plus de dégâts, mais ont une précision nulle, donc non. T'as énormément de boucliers. Je t'avoue que on va changer ça. On va mettre que du blindage. Et on va mettre plein de petits modules. Déjà, tu vas renforcer ça. Tu vas te réparer. Et tu vas mieux tirer. Et ça, c'est quoi? Bouclier renforcé? Non, Osef. Hein. Bah attends, on va mettre même deux trucs de réparation. Tu vas te réparer très très vite. Voilà, comme ça. Dégâts causés par les appareils de combat, très bien. Ouais, non mais c'est bien. On sauvegarde. Le colosse. Bah t'as qu'un seul... Oui, très bien. Ah oui, par contre, on a plein de trucs. Le rayon dégénérescent antique. Un canon colossal estompant toute conscience, capable de lancer une onde énergétique de la taille planétaire pour amener la plupart des formes de vie consciente à l'état de préconscient. Oh oh! Ça c'est rigolo, ça. Ça c'est rigolo. Ce colosse là est rigolo. Très bien. Très bien, très bien. On va quand même sauvegarder le plan comme ça. Avec que du blindage. Et le mange-étoile. Alors le mange-étoile, t'as que du bouclier. Pareil, en fait, on va changer ça. On veut que du blindage. Et alors là, on va mettre blindage réactif. Hop, hop.
Et hop, on ne veut évidemment pas ça. Tu vas être en mode quoi? Artillerie. Portée. Comme ça, en vrai, ça m'intéresse peut-être un peu plus. Et je peux te mettre du coup des trucs qui ont beaucoup de portée. 120 hein, de portée, c'est bien. Reste aussi loin possible que l'ennemi à la portée maximale de ses appareils d'attaque. Ouais, non, on va faire ça plutôt. Et là, du coup, on va remplacer par ça. Et là, du coup, on va mettre des missiles partout. Des magnifiques petits missiles, puisque l'idée, c'est que tu les bombardes de loin. Et vu que dans tous les cas, tu ne coûtes que de la matière noire, je peux me faire plaisir à mettre des coups différents. Ok. Ça m'a l'air bien. Et j'ai des vaisseaux en cours de construction. Merde. J'ai des vaisseaux en cours de construction. Je vais les annuler et les relancer. Je vais les annuler et les relancer. Je sauvegarde. Voilà. Et ici, on va les relancer. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'il faut. Ok, donc là j'ai refait toutes mes flottes de manière logique et intelligente et cohérente. On va venir améliorer une flotte une à une. Toi, tu vas aller t'améliorer et on sera bon. Et bonjour Raven, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Céron ne le savait pas encore mais il était déjà mort. Cette vibes nanar de Kung Fu là. Oui, en effet. Bon, on est bon. Monde mécanique, un pic énergétique massif a été rapporté au sein du système de Yann. La surface entière est l'un des mondes désolés de ce système a littéralement explosé, révélant une sorte d'usine s'étendant sur toute la planète. De vastes flottes d'étranges vaisseaux contrôlés par une IA émergent de sous la surface de ce monde mécanique pour partir à la recherche de cibles à attaquer. C'est où ça? Situation log updated. Je m'en branle, c'est pas chez moi. Je m'en fous. En stage de fou pour l'oral de bac demain, mais je fais aller et toi? Je suis plus en couple, c'est la merde, mais ça va. Voilà, c'est une réponse adaptée. C'est la guerre dans tous les sens. On est en train de se battre sur tous les fronts. L'entièreté de la galaxie veut notre mort. Mais en même temps, on essaye de tuer la galaxie. Donc du coup, ils l'ont mauvaise. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ça va, ça va. C'est ok, on peut comprendre. Bon, par contre, ils sont quand même grave relous. Donc c'est chiant. C'est très, 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 très chiant de devoir comme ça se mettre un petit peu à changer tous nos plans au dernier moment. Mais bon, bah, il faut ce qu'il faut, quoi. On va continuer à renforcer mes flottes par contre au passage, hein. Ça je vais pas l'oublier de le faire, c'est important. Donc du coup, on est en train d'essayer quand même au maximum de sécuriser nos frontières et d'attaquer par-ci par-là des petits morceaux de territoire ennemi pour les mettre dans la merde au fur et à mesure. On va parier très très fort sur la crise qui est en train de se déclencher là maintenant tout de suite, qui est du coup la crise des contingency, donc des IA qui essaient de détruire la galaxie. C'est vachement bien normalement sur le principe parce que ça va distraire nos ennemis. Nos ennemis vont se sentir concernés par le fait qu'il y a des flottes ennemies en train d'essayer de détruire la galaxie, comme nous. Et donc dispatcher leurs forces un petit peu contre eux. Ce qui m'arrange. Second monde mécanique. Nous avons détecté un autre pic énergétique venant cette fois du système de Nomotar. Après s'être rapidement refroidi par un moyen artificiel ou un autre, une planète en fusion du système s'est ouverte pour laisser apparaître une immense usine planétaire. En ce moment même, le monde mécanique crache des vastes flottes de vaisseaux de guerre contrôlés par une IA. Un autre. Ici, et très bien pour l'instant, très très bien pour l'instant, c'est parfait, ne changez rien. Là où les IA apparaissent, moi ça m'arrange, c'est de l'autre côté de la galaxie, c'est loin et c'est en plein territoire ennemi. Tout bénef pour nous, tout bénef pour nous, vraiment. Donc c'est parfait, vraiment, ne changez rien, continuez ainsi. Continuez ainsi. Je vais demander à améliorer des flottes un petit peu. Hop. On va renforcer nos flottes actuelles petit à petit, doucement mais sûrement. Par contre, on a un gros déficit en cristaux rares. Ça c'est gênant. Toi, ici, eh ben, viens, avance. Alors avance, mais fais gaffe parce qu'il y a une flotte ici du Conseil des Clones et des Mediators. C'est un peu gênant. Potentiellement, ils vont me défoncer mon mange-étoile. C'est une possibilité. Donc, on va faire gaffe. On va faire attention.
Bon, pendant que... Hop, 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 hop. Une troisième monde mécanique. Nous avons identifié ce qui doit être une un troisième monde mécanique dans le système de Yobnaïr. Une géante gazeuse s'est spontanément enflammée, brûlant avec l'intensité d'une petite étoile durant près d'une journée standard. La planète s'est rapidement refroidie, laissant apparaître son cœur de métal, entièrement recouvert de cette même usine planétaire qui a déjà été aperçue sur les autres mondes mécaniques. De gigantesques flottes défensives contrôlées par l'IA ont déjà pris position en orbite. Ça devient de pire en pire. C'est très loin de chez nous, encore une fois. C'est très bien. C'est très 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 bien. Parfait. Parfait. Et en plus, c'est pas très loin de la Zwipi Zwipi, donc ça va me permettre d'emmerder la Zwipi Zwipi, qui va normalement être un peu focus sur d'autres activités que me taper. Prêter allégeance secrète, le collectif des laitues. Ok. Soit. Prêtez-moi allégeance. Je prends votre allégeance. Pas de problème. Pas de problème. Je la prends. Avec plaisir. Ici, ça se passe comment? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Is ok. Ma flotte en train de s'améliorer a presque fini. Du coup, il ne reste plus qu'un seul monde à faire apparaître. Il ne reste plus qu'un seul monde à faire apparaître. Avec de la chance, ça sera pas ici. Ça sera pas à côté de chez moi. Et ça, ça serait bien. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ustir, quatrième monde mécanique. Désormais en activité dans le système de Ustir. La sixième planète du système, jusqu'à présent couverte de fumée toxique, a d'une façon ou d'une autre expurgé son atmosphère dense en quelques jours. Une fois le processus achevé, la surface planétaire s'est ouverte pour laisser apparaître un immense complexe industriel. D'anciennes flottes de vaisseaux contrôlés par IA émergent maintenant des hangars souterrains afin de poursuivre la croisade contre l'ensemble des civilisations organiques. Et il est apparu ici, alors relativement proche et en même temps assez éloigné de chez nous. Donc c'est vraiment très bien. On est super bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Et nous, on va laisser l'IA faire des trucs. Hein. Les marchands fuient la guerre des gangs. What? La guerre opposant les organisations criminelles du monde agricole de Littender a des effets néfastes sur le commerce local. Alors que la situation est très instable sur toute la surface du monde, plusieurs guildes de marchands d'interstellaires ont émis une mise en garde à leurs membres pour leur déconseiller de s'approcher de la planète. Malgré tout, les ventes illégales d'armes semblent florissantes. Peut-être falloir que je m'occupe de mettre des soldats, enfin des flics à certains endroits. Hein. Ah là là, hein. Ah là là, ah là là. Hein. Bon, on a presque fini d'améliorer mes flottes ici. C'est très bien. Pouvoir les renvoyer en arrière. D'ailleurs, on voit que les ennemis sont en train de reculer, probablement pour essayer d'aller se défendre face à la petite crise qui vient de se déclencher. Donc la contingency, elle est ici. Très bien. Très très bien. D'ailleurs, j'ai des sous-fifres en attente. Je peux mettre quelqu'un en espionnage. Bah, c'est déjà le cas chez Passin. La déchémonie des écodons. Il y a déjà quelqu'un. Ça, c'est déjà c'est Passin. La confédération Axtalak, il y a déjà quelqu'un. La trade union, machin truc, je peux mettre quelqu'un, voilà, comme ça si je vois un maximum les choses autour, c'est parfait. Nexus machiniste, on va mettre quelqu'un, voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Déchémonie, j'ai déjà mis quelqu'un, on a dit. Ça, c'est le c'est pas sain. La ligue machin truc, on va mettre quelqu'un. Voilà, hop, parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je devrais mettre quelqu'un? Bah, en vrai, toi, est-ce que je te spy? Non, et ben maintenant je te spy. Voilà. Parfait. Comme ça, je vais récupérer un petit peu au fur et à mesure des connaissances sur eux. Et ça me permettra de voir à peu près bah, qu'est-ce qu'ils ont comme flotte, à quels endroits. Qu'est-ce qu'ils font avec, tout ça, tout ça. On a presque fini ici. On a presque fini de récupérer ici tout ce qu'il faut. Allez, prends tes derniers modules hein, qui te manquent. Please. Le mange-étoile là-bas est toujours en baston, mais il a presque... Bah, il a fini. Parfait. Parfait, parfait. Allez. On a 99% de l'amélioration. Je crois qu'il n'y a que le titan qui est 97, 98... 99, 100, wouh! La flotte a été améliorée. Le mange-étoile a été amélioré. Random est en cours. Mange-étoile, mets-toi en amélioration. Eh ben, il va se mettre en amélioration en mastodonte, en vrai, c'est bien ça. Il quitte même pas le système pour se mettre à jour. C'est parfait.
Logam, c'est le système qui est au-dessus. Donc en fait, tout ce qui est à Neshmet, ils vont pouvoir se mettre à jour directement là. Ce qui est très bien. Toi, tu vas repartir en arrière pour te mettre à jour. Toi, normalement, t'auras pas besoin de bouger. Toi, vu que t'es déjà à Neshmet, a priori, t'auras pas à bouger. Toi, a priori, t'auras pas à bouger. Ils vont se mettre en attente, en fait, pour être améliorés directement par le mastodonte qui est là. Donc normalement, ils ont même pas besoin de déplacer par rapport au système où ils sont. Donc ça reste une position de défense plutôt bien. C'est cool. C'est cool. Le seul qui pourra pas être amélioré, c'est lui. Parce qu'il est totalement de l'autre côté de la galaxie. Donc bah là, ok, hein, très très bien, Sossad, hein, tu seras amélioré un jour si j'arrive à t'améliorer à temps. Sinon, peut-être possibilité hein, qui existe. Si on n'a pas de bol, vu qu'il a les... hop, c'est bon, toi t'as été mis à jour. Vu qu'il a les ordinateurs IA, ce qui peut arriver, c'est improbable, mais ça peut arriver, c'est qu'on perde le contrôle de la flotte. C'est possible que l'IA vienne récupérer le contrôle de la flotte. Voilà, ça c'est possible. C'est une possibilité, elle est très légère, mais peut-être qu'à un moment donné, bah, on nous dira, vous avez perdu votre flotte, elle a été prise en contrôle, et puis voilà. Hop, je me permets juste de regarder quelque chose à côté. J'aimerais savoir où est ma commande pour mon nouveau lit. Ça me perturbe qu'il est marqué refusé par le vendeur. Dans mon suivi, en fait, techniquement, ma commande est censée être validée, tout est vert. Alors, je sais pas si c'est un problème de traduction. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Mais ça me dit refusé par le vendeur, avec après trois petits points en mode c'est en cours. Je suis en mode what the fuck. What the fuck. Ça me perturbe un petit peu. Je vous avoue que ça me perturbe un petit peu. Tentative d'infiltration des synthés. Des synthétiques infiltrés, loyaux à la contingence, viennent d'être découverts sur le monde raffinerie de Jean-Mi. Ils tentaient de se faire passer pour des néo-survivants. Heureusement, leur camouflage sommaire n'était constitué que de quelques couches de caoutchouc recouvrant leurs pièces métalliques. Ils ont été rapidement identifiés par la sécurité planétaire, qu'ils ont arrêté après une fusillade courte mais nourrie. Parmi leurs restes ont été retrouvés de grandes quantités de matières explosives. Nous avons eu de la chance. Oui, on y fait. On y fait, on va dire ça. Essayez de mettre le site en anglais peut-être. Ah, bah après c'est la redoute, c'est pas censé être en anglais. C'est quand même pas censé être en anglais. En vrai. En vrai de vrai. Je pense que... Enfin, j'en sais rien, on va voir. Là, tu as fini, tu as tout fait exploser. Eh ben, écoute, c'est parti pour la suite. Hein. Avance. Va donc à Ozagamum pour tout faire sauter. On va tout faire péter. Tout. Tout faire péter, tout le temps, constamment. On veut rien laisser à nos ennemis. On veut les éclater. Ah, puis là, c'est ceux que j'ai commencé à infiltrer. Très bien. Technologie, hop, technologie, très bien, je récupère plus de production, je récupère plus d'armes, c'est parfait. Tout le monde est bien rangé, hein, je suis en train de regarder, mais ça m'a l'air pas trop mal. Il y a toi qui es à Urom, en cours d'amélioration, mais t'as presque fini. Très bien. Je vais attendre qu'il ait fini, je vais le renvoyer sur le gamme, et puis je vais relancer un renforcement de mes vaisseaux de manière générale. Parce que je vais avoir des vaisseaux en attente. Je dois normalement avoir des vaisseaux en attente d'amélioration. Allez. Faudrait que je refasse d'ailleurs des flottes avec mes vaisseaux de la menace. Parce que bah, du coup, j'ai des nouveaux plans de la menace que je n'avais pas avant. Va falloir que je regarde ça. Il va falloir que je regarde ça exactement. Comment est-ce que je peux avoir des plans un petit peu vénères qui marchent bien. Je ne sais pas du tout si ça va faire des flottes vraiment... ultra pété par rapport à ce qu'on avait avant, mais bon. Infiltré synthé découvert. Un tragique accident aéromobile a récemment fait plusieurs victimes sur mon générateur de Barbara. Mes services médicaux envoyés sur place ont été choqués de découvrir les restes de deux synthétiques parmi les victimes. Ces unités avaient été maquillées en néo-survivants par la greffe de fines couches de chair organique sur leurs endosquelettes métalliques. Au contraire des précédents modèles d'infiltrés de la contingence que nous avions rencontrés jusqu'à présent, ils étaient quasiment impossibles à distinguer des néo-survivants par leur apparence extérieure. Tout le monde pourrait donc être un synthétique. Ah!
Ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Croiseur de la menace. Croiseur de la menace. Destroyer de la menace. Destroyer de la menace. Corvette de la menace. Voilà, parfait. Et là, on va venir assembler un petit peu. On va mettre 15. 15. 15. On est à combien? 180. Bah parfait. 20 et 20. Ah non. Ah, parce que c'est des machins. Et là, on est bon. C'est bien. Is ok. Ça va faire une grosse flotte encore à renforcer. Mais je pense qu'elle devrait être quand même plutôt efficace. Après, en termes de puissance, les corvettes sont ce qu'il y a de plus puissant. Et ça m'étonne un peu. Et ça m'étonne un peu. Là, si je regarde, corvette de la menace, c'est zélé. Où est-ce qu'il y a une flotte de la menace? Là. Ah oui, les corvettes, si t'as 60 corvettes, tu fais déjà 93 000. Ok. Très bien. Ça a l'air rigolo quand même. Full corvette, tu dois quand même envoyer un peu du pâté. Mais ça m'étonne assez de voir que les flottes, j'essaie de les construire de manière un peu cohérente, un peu logique, et je me rends compte que en fait, des fois, je n'ai pas la logique, je n'ai pas la cohérence derrière. Je n'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui que quoi. Ça m'étonne toujours un petit peu. Ça m'étonne toujours un petit peu. Tac, on vient mettre des ancrages. On vient mettre des ancrages. Et bonjour et bienvenue, Panou. Panemo. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien aussi bien que possible. La caméra est un peu basse, je suis en train de me faire la réflexion. Hop. Voilà, c'est mieux. Et vous avez un bout du micro que vous voyez. Hop là, vous ne le voyez plus. C'est mieux. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Bienvenue à toi sur le stream des Fougères. On est en pleine guerre galactique. C'est le bordel. Mais bon, c'est la vie. Où est-ce qu'il y a des débris? Il y a des débris là-haut. Pourquoi il y a des débris là-haut? Je suis emmerdé par quoi? C'est que ça me donne très très envie d'y aller. Ça me donne très très envie d'aller voir là-bas. Quand même. Je vous avoue. On va faire un petit vaisseau de scientifiques. On va aller envoyer quelqu'un. Oh merde, des cristaux rares, décidément. On va en racheter. On va vendre la nourriture. Fin du contrat. On ouvre un canal. Nous voulons solder votre flotte. Marché conclu. Au revoir. C'est laquelle? C'est ça là sur Nashmet. Bah tu sais quoi, je vais te faire réavancer. Tu vas essayer d'un petit peu ratiboiser tout ce qu'il y a autour. Ce serait bien. Ça, hop, on avance. Parfait. Parfait, parfait. Dividendes, j'aime les dividendes. Donnez-moi des dividendes. Je les prends avec un grand plaisir. Bien sûr. Ah, ça n'avait pas encore mis à jour. Très bien. Donc on a des débris, effectivement, à Osaganum. Pourquoi, comment, je ne sais pas. T'es en train de taper quoi? Ah, par contre, tu t'es fait un peu ouvrir le cul. Tu t'es fait un peu ouvrir le cul. T'es en train de te battre à quel niveau? T'es là. Et t'es en train de te battre contre une station qui fait du dégât en fait. Et il reste encore la citadelle que t'as pas fait tomber. Citadelle qui est quand même un peu vénère et il te reste pas beaucoup. Ah, il a des corvettes à la con qui arrivent. Est-ce que tu vas tenir contre la citadelle alors que tu t'en rapproches et que du coup tu vas prendre des dégâts? Je ne suis pas sûr. Était-ce vraiment une très très bonne idée de faire ça? Je ne suis pas sûr. Après, là il a pas l'air de reprendre de dégâts, il a l'air de faire tomber au fur et à mesure. Donc c'est ici l'anneau orbital qui t'a mis super mal. C'est l'anneau orbital qui l'a mis super mal pour une obscure raison. Ok. C'est assez étonnant, mais ok. Et là, t'es en train de taper sur la coque au fur et à mesure. Alors, c'est marrant parce que la station regagne du bouclier. La station regagne du bouclier, hein. Mais
Je suis en train de faire tomber la coque au fur et à mesure. Et moi, je regagne du bouclier aussi, d'ailleurs, au passage. Vous savez, des fois, la magie, tout ça, hein, voilà. Là, tu te mets en fufu. Et on va vouloir engager quelqu'un. On va vouloir engager quelqu'un. Ça sera toi. Bonjour, bienvenue. Ambre Eugénie Dumouchel de la Nue. Tu seras renommé en... en Raven. Voilà. Raven Dumouchel de la Nue. Bienvenue. Et tu vas essayer d'aller récupérer des connaissances par là. Déplace-toi ici. Dans un premier temps. Puis tu vas te TP après là-bas. Mais en tout cas, bienvenue parmi nous. Tu as une dissimulation qui est exceptionnelle de niveau 2. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas dégueu. On va dire ça ainsi. Ce n'est pas dégueu. Je n'ai plus à boire? Non. Je vais me servir à boire. Ok. On fait un petit peu attention de manière générale, mais ça devrait aller en vrai. On avait le déficit où j'ai repayé. Normalement, on est en train de coloniser quelque part pour mettre de nouveau des industries de raffinage. Pour pouvoir faire les cristaux qui nous manquent, parce que le déficit fait mal quand même. La matière noire aussi, on est passé en négatif. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on consomme de la matière noire? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. À un endroit, on a quelque chose qui consomme la matière noire. C'était pas prévu. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Ah bah oui, non, mais tant que t'es pas arrivé, ça marche pas. Là, t'es comment, toi? Bonjour. Bonjour, Oldaris. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. C'est bon, la station va tomber. Bah, la station aura tenu envers et contre tout. Étonnamment. Étonnamment. Je vais te demander de t'améliorer. Est-ce que je peux te demander de t'améliorer? Genre là, la station elle est comment? C'est pas une station avec des chantiers spatiaux? Si. S'il te plaît, mets-toi là. Déjà, tu vas te réparer. Ça serait bien. Parce que t'as pris la douille, gros. Dans un premier temps. Donc déjà, voilà, gentiment, tu vas regagner des PV. Et je peux pas m'améliorer dessus. Bon, tant pis. Mais déjà, si je peux reprendre des PV, ça serait pas mal. Projet de détection synthétique. Les nouveaux modèles d'infiltrateurs synthétiques ne pouvant être différenciés des néo-survivants, il nous faut trouver un moyen de les identifier avant qu'ils ne sévissent davantage. Nos scientifiques ont préparé un projet spécial afin de mettre au point une méthode de détection. Ce projet sera peut-être critique pour assurer notre survie. Nos capacités de cryptage élevées signifient que cette recherche progressera plus rapidement. Lance un projet spécial, méthode de détection des êtres synthétiques. Très bien. On vient chercher. Hop, ici, 27 mois. Ça se fait. Ça se fait. Très bien. Toi, ici, tu es arrivé. Je peux donc, je disais, t'envoyer là. C'est parti. Petite téléportation. Tu viens récupérer les connaissances. On veut toutes les connaissances. Je dois vous laisser. À plus. Des bisous, Lilith. Merci d'avoir été là jusqu'à présent. Passe une excellente fin de journée si on ne se recroise pas. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que tu as passé un bon moment le temps que tu étais ici avec nous. On va rechercher les projets de recherche. Oui, en effet. Toi, t'es normalement en train de récupérer tes PV. Ce serait aimable. Tu retournes vers la station de Ozagamum. Oui. En effet. Fais donc. Il n'y a vraiment pas moyen de t'améliorer? Non, hein. Je peux pas l'améliorer. C'est con. C'est très con. C'est ainsi, hein. Ça fait un peu suer. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Toi, tu es en train de récupérer toutes les stations ici, hein, du coup. Vas-y. Je vais avancer mes stations de mercenaires. Je vais avancer mes stations de mercenaires. Enfin, mes stations, pardon. Mes flottes de mercenaires. On va essayer de reprendre le territoire au fur et à mesure. On va essayer de se réavancer et de faire des trous. Parce que, encore une fois, on va profiter du fait qu'il y ait la contingency qui soit déclenchée pour que bah, ils se distraient et les attaquer. Et faire des trous un peu partout dans leur territoire. Ça va être l'objectif. Ça va être l'objectif. D'ailleurs, on va faire groupe 2. Groupe 3. Et hop. Groupe 4. Donc, tu es ici.
Oui. Tu peux aller là. 3. Tu es ici. Tu peux aller là. 4. Tu es ici. Tu peux aller là. Oui. En effet. Et on va se réavancer et essayer d'aller faire tomber le plus de colonies possible. Hein. Clairement. Clairement, clairement. Nous avons une nouvelle flotte en cours de production ici qu'on va envoyer à Logam, je pense. Logam. Voilà. Parfait. Hop, hop. Je vais te renommer. Évidemment, Arken. Hop, flotte de l'amiral Arken. Très bien. On est bon. Toi, c'est normal. Toi, tu es à fond. Je peux désormais faire péter le système puisque de toute manière, tu peux pas t'améliorer ici. Donc, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire avec. Et normalement, on est bon. Ceci dit, il faudrait que je coupe la VOD. Puisque on a fait déjà plus d'une heure. J'ai vu le marqueur de VOD il y a 10 minutes. Puis j'ai pas arrêté le temps de faire 2-3 petits trucs. Petite fougère de YouTube, on a bien avancé encore une fois, c'était pas mal. On va s'arrêter là et on se retrouve évidemment pour la suite du Let's Play incessamment sous peu. Des bisous, ciao ciao ciao.